Et bonne année à tous! Et oui, c'est la première vidéo de 2022 où c'est pas juste un replay ou quoi que ce soit. Du coup, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux pour cette année 2022. Et justement, bah, pour cette année 2022, on commence avec des bonnes résolutions puisqu'on va essayer de faire des vidéos un petit peu pour parler un petit peu de ce qui va arriver sur la chaîne en termes de lore. Il y aura une autre vidéo qui va arriver aussi pour l'e-sport d'Heroes en 2022 et également du coup une autre d'actu, mais ça c'est autre chose, c'est un petit truc, Microsoft, voilà, tout ça, tout ça. Donc, concernant le lore, je me suis dit que ça serait une petite vidéo récap pour vous parler un petit peu de tous les projets qui sont en cours. Il y a aussi un autre sujet, alors on a plein de sujets hein, sur lesquels aller, donc je vous affiche tout ça évidemment. Mais bonne année évidemment à tous. J'espère que 2021 a été ok, j'espère que 2022 sera mieux, enfin pour vous comme pour moi d'ailleurs. Et j'en profite du coup dans cette petite vidéo récap. Donc on va parler de Warcraft bien entendu, avec des vidéos avec lequel je bosse, je bosse sur ces vidéos-là avec Evanescent, donc ce sera l'occasion de vous présenter un petit peu les projets sur lesquels on travaille. Ensuite, en dehors de Warcraft, évidemment, parler un petit peu de Starcraft et Diablo. C'est vrai que 2021 a été un peu triste concernant Diablo et Starcraft, j'en suis conscient. J'espère que votre attente, alors je ne veux pas non plus trop vous hype, calos, mais c'est vrai que j'en ai conscience d'avoir beaucoup mis l'accent sur les vidéos Warcraft, ce qui est même pas forcément les vidéos sur lesquelles je fais le plus de vues, c'est les vidéos de Diablo pour le coup. mais au final c'est vrai que Eva m'aide énormément sur la préparation des vidéos, donc c'est plus simple pour moi de sortir des vidéos Warcraft que des sorties de Diablo ou Starcraft où là je me démerde un petit peu tout seul. Donc, et puis Starcraft, c'est vrai que j'ai fini Legacy of the Void, donc il reste bien sûr des choses, hein, j'en parlerai après. Et pour Diablo, on est plus dans l'attente, on va dire, Donc on en reviendra, mais il y a des choses concernant Diablo et Starcraft cette année sur la chaîne. À côté de ça, on a également bien sûr un leak. Je pense que beaucoup viendront pour cette actu concernant le leak et mes impressions sur le leak des îles aux dragons qui est soi-disant sorti. On en parlera en fin de vidéo. Voilà, comme ça je vous parle de trucs dont vous vous en foutez au départ et comme ça vous restez jusqu'au leak, ou alors vous avancez et vous n'avez rien suivi du reste. C'est possible aussi. Et on parlera un petit peu de Warhammer aussi, parce que je ferai pas énormément de vidéos, et d'ailleurs les vidéos de Warhammer sont un peu les premières qui viennent bouffer un peu mon temps sur Diablo et Starcraft. Mais j'ai bien prévu de finir les vidéos sur Warhammer, donc on va en parler après. Pour commencer, mes impressions, puisque j'ai fini le bouquin Les Ombres de la Horde, hein, le livre de Vol'jin Les Ombres de la Horde, qui est un livre qui se passe à Mist of Pandaria, donc c'était pour préparer justement Mist of Pandaria. Je l'ai fini récemment là, j'ai fini il y a une semaine même pas. Et au final, plutôt que de faire, vous allez me dire, t'aurais pu faire une vidéo spécifique sur le sujet. J'avais pas envie de faire une vidéo. Des fois, je suis inspiré, des fois, je suis pas inspiré. Et je suis pas spécialement inspiré pour faire une vidéo d'une heure et demie, d'expliquer un petit peu tout, etc. Donc, je me suis dit, c'était l'occasion de faire un petit peu d'une pierre deux coups avec cette vidéo. Je voudrais faire un récap un petit peu de ce qui arrive sur la chaîne en termes de lore. Mais en plus, je me suis dit, j'en profite pour parler un petit peu du bouquin. Et globalement, là vous dites, du coup tu l'as pas aimé. Même pas en fait, au contraire, j'ai bien aimé Les Ombres de la Horde. C'est juste que je pense, malheureusement pour ce livre, je pense que je sature avec les livres World of Warcraft. Et je précise bien World of Warcraft, pas les livres Warcraft, les livres World of Warcraft. Je sature de fou avec les livres World of Warcraft. Je me suis tapé pas mal de livres avec... pour la préparation de Cataclysme, notamment Prélude au Cataclysme, Cœur de Loup. Et ensuite, d'ailleurs j'avais lu Crime de Guerre aussi avant, etc. Ensuite, je rattrape pas mal de certains bouquins que j'avais pas lus. Et du coup, c'est vrai que ensuite je me suis fait le déferlement pour préparer Mist of Pandaria aussi. Et c'est une purge, vraiment c'est une purge ce bouquin. Et la plupart de ces bouquins, il y en a qui ont des bonnes idées, des bonnes choses. Hein. Tout n'est pas noir, bien sûr, mais c'est pas des livres en fait. Enfin, moi j'ai pas l'impression de lire des livres. C'est terrible. Et là... je suis très dur, mais c'est pas l'impression de lire des livres. Et c'est... vous allez me dire, moi j'ai bien aimé le bouquin, etc. Et tant mieux si le livre vous avez aimé, c'est cool. Mais en fait, alors je dis ça, c'est horrible parce que c'est ce bouquin-là qui prend alors qu'il y est pour rien. Mais là par exemple, je vais en reparler après dans la vidéo, mais je suis en train de commencer un livre Starcraft. Enfin, je relis Starcraft Evolution et putain... ça fait plaisir de lire un livre en fait. J'en ai oublié ce que c'était qu'un livre en fait. Parce que les livres WoW, ils sont indigestes au possible. C'est que du gameplay. Et moi j'en peux plus. Enfin, c'est un livre, c'est pas un jeu vidéo quoi. Et vous allez me dire, ouais, mais
dit comme ça, c'est horrible. Enfin, Malga, t'es un peu dur. Dit comme ça, ça donne l'impression qu'on peut pas écrire sur un jeu vidéo. Bien sûr que si, bien sûr que si. Justement, vous avez des contre-exemples avec les anciens livres Warcraft, etc., etc. Le problème, c'est qu'il faut toujours faire un putain de clin d'œil, et c'est pas des clins d'œil, que c'est des appels de phare, hein, tellement ils sont présents au gameplay en permanence. Oh là là, il y a un mage, oh là là, c'est les classes de WoW, il y a un chasseur, il y a un mage, il y a un machin, oh là là, c'est un mage, du coup il fait des TP, il fait des biscuits, il fait de l'eau, ah waouh, incroyable, le chasseur, mais où est son pet, ah, le meilleur ami du chasseur. T'es en mode, mais hey, oh, un livre, bordel de merde. Et même, sans compter les personnages qui sont des encyclopédies, hein, ils connaissent tout. Je veux dire, les mecs, pas de problème. Quoi, t'es un humain de Stormwind? Bah oui, tu connais parfaitement l'histoire Elfe de la Nuit, l'histoire machin, etc. J'en peux plus, c'est pas des personnages, ça, c'est des scénaristes. Et moi, ça m'énerve, ça. Heureusement, Vol'jin, les Ombres de la Horde, et bien mieux que ces bouquins-là. Le problème, c'est qu'il souffre encore de ces... Il est bien moins gangréné par ses problèmes, mais en fait, je pense que je sature. Et que malheureusement, les Ombres de la Horde arrivent dans un mauvais timing où je n'en peux plus des livres World of Warcraft. Mais pour le coup, lui, c'est justement celui qui s'en sort le mieux. Et l'une de ses raisons, c'est que l'auteur Michael Stackpole, alors, je pense, je suis pas sûr, mais ce n'est pas un joueur de World of Warcraft. Eh oui! La plupart des auteurs de World of Warcraft, enfin, en tout cas, ce sont des joueurs de World of Warcraft. Et en l'occurrence, donc que ce soit Richard Knack ou Christy Golden, ou d'autres d'ailleurs, ce sont des joueurs de World of Warcraft. Par exemple, comment il s'appelle, j'ai oublié pour Shadow Rising, bah, c'est une joueuse de World of Warcraft en fait. Donc j'ai oublié le nom, my bad. Vous le mettrez dans les commentaires, je suis sûr. My bad. Et du coup, bah, c'est des joueurs de World of Warcraft. Michael Stackpole ne connaissait pas, enfin ne jouait pas à World of Warcraft. Alors, tous ces auteurs ont des trucs en commun, ils ont souvent bossé sur Star Wars d'ailleurs. C'est à peu près l'endroit où ils se sont rencontrés. Et Michael Stackpole, bah en fait, il connaît pas le jeu World of Warcraft. Du coup, quand on lui a dit, bah faut que tu parles de tel truc, bah lui, il a fait, bah ok, pas de souci. Mais en fait, il a pas cette vision de joueur de World of Warcraft. Du coup, il y a, parce que, attention, hein, les livres, même si vous avez l'auteur principal, il y a plein de personnes qui viennent à côté, qui apportent leur retour, soit qui leur donnent aussi le scénario dans les grandes lignes, et eux, ils doivent le mettre en lumière, ils doivent le mettre à l'écrit plutôt, mettre sur papier. Pareil, il y a de la relecture, il y a des conseils, etc. Donc c'est souvent le travail d'une équipe. On a un auteur, mais en vrai, c'est pas un auteur, c'est le travail d'une équipe. Et au final, Michael Stackpole, c'est l'auteur, celui qui a écrit le livre, mais c'est pas celui qui est derrière le scénario, derrière les personnages, etc. Et d'ailleurs, un petit point là-dessus, je veux dire, le livre, quand vous voyez les Ombres de la Horde, avec le logo les Ombres de la Horde, vous voyez qu'il y a Vol'jin et Shen. Eh bien, j'ai découvert, grâce à Evan Essor, qu'il y avait, une histoire assez intéressante à ce sujet, parce qu'en fait, le livre, si vous vous intéressez un petit peu et que vous lisez, il y a trois personnages principaux. Et le troisième n'est pas sur la couverture. Et vous savez pourquoi il n'est pas sur la couverture? Parce qu'il n'était pas prévu à la base dans le livre. Et ça, c'est une interview de Michael Stackpole à des journalistes polonais où il répondait qu'en fait, à la base, le troisième personnage qui est Tiratan Kort ne devait pas apparaître dans le livre. Et vous savez pourquoi ils l'ont mis? Vous savez pourquoi? Parce que sur les relectures, eh bien, certains ont dit « Ouais, mais ça manque d'alliance. » Le livre s'appelle Vol'jin, les Ombres de la Horde. Ça manque d'alliance. Quand je vous dis que ce putain de bifaction, ça tue le jeu parfois, ça tue le c'est même pas, la, ça, pas tue, ça tue pas que le jeu d'ailleurs, ça tue l'univers. Là c'est on se c'est vraiment incroyable quoi, c'est vraiment une catastrophe. Et ce qui est pour le coup, au départ, Tiratan Kort, c'est ce personnage, je ne le savais pas, hein. Quand j'ai lu le bouquin, je ne le savais pas, c'est bien plus tard, c'est vers la fin du bouquin où j'ai appris cette petite anecdote. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, Tiratan Kort, au début du bouquin, c'est un personnage fonction. Mais vraiment un personnage fonction. C'est vraiment un personnage, c'est le chasseur, c'est l'humain, voilà, allez hop, c'est... Donc, oh là là, il a pas son pet, oh là là, il y a une histoire, oh là là, il aime pas les orques, machin, c'est vraiment un personnage fonction, quoi. Et... Pour le coup, Michael Stackpole a fait un énorme travail par rapport aux autres livres, déjà à humaniser les personnages, à vraiment, voilà, on a les enjeux de Shen, on a les enjeux de Vol'jin, et je sais, dit comme ça, c'est du basique, mais en fait, sur certains livres, c'est bas les couilles, et pareil, il pose son récit. Ce qui pourrait donner l'impression que c'est chiant, mais non, 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 c'est pas chiant, hein. Pour le coup, le livre, il avance, hein. Mais il y a des ellipses, et bordel de merde, excusez-moi pour les gros mots,
qu'est-ce que ça fait du bien dans un livre WoW ? Des ellipses temporelles ! Des mois, des semaines qui s'écoulent ! Il y a des mois qui s'écoulent dans le bouquin ! Incroyable ! Et bah ça permet de poser un petit peu, ça permet d'assurer aussi de meilleures connexions entre les personnages. Et quand le mec te dit, bah voilà, maintenant t'es un ami, alors déjà il le dit pas au départ, c'est ouais, au départ un peu de crainte, ensuite finalement un peu de. Oh. Pas de relation artificielle, ces relations elles se développent, elles se définissent dans le livre. Parce que les livres là où il y a Jean-Michel au bout d'une heure, ah t'es mon meilleur pote, c'est bon, non, ça n'existe pas ça. Donc. Ça fait plaisir, ça fait vraiment vraiment plaisir dans ce livre. Alors malheureusement il arrive dans un contexte où j'en peux plus, mais vraiment ça fait plaisir, ce genre de choses. Alors il y a des gros... Donc globalement j'ai bien aimé ce livre qui se passe pendant Mists of Pandaria, on en reparlera dans la vidéo sur Mists of Pandaria, mais un bouquin qui est très intéressant par rapport à justement ce qu'est Vol'jin, ce qui est un chasseur des ombres, qui est une classe qui n'est pas jouable d'ailleurs dans World of Warcraft, donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on sort un peu du récit, puisque bah, c'est une classe qui est pas jouable, donc il parle d'une classe qui est pas jouable. Et ça parle de pas mal d'événements aussi, ça fait appel au passé, notamment à Warcraft 3 avec la fondation de la Horde, où Shen et Vol'jin, justement, étaient ensemble et ont aidé, justement, Durotar et la Horde à se définir telle qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est assez intéressant, et relier ça, justement, avec le fait que Garrosh et Vol'jin, Garrosh, du coup, vient de faire la tentative d'assassinat sur Vol'jin. Vol'jin est en récupération, il est presque en réanimation au départ, et ensuite, finalement, il est... En rémission, et du coup c'est vrai que c'est assez intéressant parce que du coup quelle est sa place dans la Horde, est-ce que les trolls ont encore une place dans la Horde, enfin il y a plein de questionnements très intéressants et j'ai vraiment vraiment le bouquin, il y a de l'action mais en même temps de la philosophie là-dessus, je trouve ça vraiment très intéressant. Shen est extrêmement bien développé, ça fait plaisir aussi parce que c'est vrai que bah, j'y reviendrai dans ma vidéo sur Mop, mais je pense que c'est un des plus gros points noirs de Mists of Pandaria, c'est que Shen n'est pas tant développé que ça, alors que c'est quand même le personnage porte d'entrée de l'extension, donc c'est vrai que ce livre fait du bien, moi je sais, j'avais beaucoup d'a priori aussi sur ce bouquin parce que c'est le bouquin où Shen se case, on va dire, et il trouve sa femme. Et c'est vrai que c'est un truc qui va, malheureusement c'est un enjeu qui va faire disparaître Shen un peu de l'équation, un peu de l'histoire. Donc j'avais beaucoup de mauvais a priori sur ce livre, en tout cas à l'égard de Shen. Et en vrai Shen, le développement est super bien fait. Pareil, sa liaison avec sa femme, ça se fait pas comme ça, donc... C'est vraiment vraiment bien fait. C'est l'une. J'ai souvent dit que les histoires d'amour, celle de Thrall par exemple, celle de Thrall avec sa femme, avec Agra, c'est. Je trouve que ça va trop trop vite, c'est n'importe quoi. Le pire, c'est Jaina et Kalegos. Au bout d'une journée, ça y est, c'est mon âme sœur, machin. T'es en mode, mais what the fuck, c'est quoi cette histoire? Là, il y a des ellipses. Il y a aussi des belles discussions entre deux personnages qui se comprennent. Il y a des bons parallèles qui sont faits. J'ai vraiment bien apprécié. J'ai vraiment vraiment apprécié ce livre, même si. Ça reste un livre World of Warcraft, donc il y a des problèmes, il y a des bémols, il y a toujours des saloperies de points gameplay en mode « tu as vu, joueur de WoW ?» Et d'un autre côté, il y a un point noir, un très gros point noir dans le bouquin, pour moi en tout cas, vis-à-vis de l'histoire des Pandaren, c'est que il parle des Tushui et des Yuuzhan. Donc vous savez, les Tushui représentent les Pandaren de l'île Vagabonde côté Alliance, et les Yuuzhan représentent les Pandaren de l'île Vagabonde côté Horde. Les deux ont des grosses philosophies différentes, c'est l'histoire, ma vidéo sur l'histoire des Pandaren. Et le problème, c'est qu'il y a eu un concept qui a été très 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 mal compris. Et c'est pas moi qui suis en train de penser ça, et le bouquin a une autre manière de penser les choses. C'est pas une différence de point de vue. Il y a vraiment, le livre fait une grosse erreur en fait. Et il en est conscient, enfin, il est conscient justement que c'est pas une différence de point de vue. Et que c'est vraiment un truc qui a vraiment un problème en fait. Il te soulève littéralement qu'il y a un problème. Et c'est pas volontaire du coup. Hein, mais en gros, on a Taranzu, donc le chef des Pandashan, l'ordre de défense de la Pandarie, tout ça, qui explique que dans le monde, il y a des personnes qui sont plutôt Yuuzhan et des personnes qui sont plutôt Tushui. Ça c'est au début du bouquin. Shen le dit d'ailleurs lui-même aussi. Et Shen, du coup, se définit plutôt comme ni Tushui ni Yuuzhan. Ce qui... Enfin, c'est pas ça, c'est même pas ça le problème. Enfin, en gros, il présente ça comme si c'était... voilà, tous les individus sont soit Yuuzhan, soit Tushui. Et le problème, surtout, parce qu'on pourrait dire, bon, pourquoi pas, le problème, en fait, c'est que c'est un concept de l'île vagabonde, le Tushui et Yuuzhan. En Pandaria, il n'y a pas de Tushui et de Yuuzhan. C'est un concept... de l'île vagabonde. Donc ça sous-entend que c'est déjà des Pandaren un peu différents des Pandaren de Pandarie. Parce que les Pandaren bah, de l'île vagabonde sont plutôt aventureux. C'est juste que les deux sont des grands aventuriers,
Mais il y en a qui sont un peu plus posés, d'autres qui sont un peu plus de foufou et touche à tout. Mais les deux sont déjà foufou pour des pandarènes de Pandarie en fait. Même les Yojin pour des pandarènes de Pandarie, ils sont un peu plus proches, mais c'est déjà des foufou pour eux. Et c'est encore une fois, Touchou et Yojin, ça représente un petit peu une manière de voir les choses. Donc c'est pas du tout un concept de Pandarie en fait. Et quand Taranzu s'approprie ce truc là en expliquant que la Pandarie sont plutôt Touchoui, t'es en mode, bah non en fait, ils sont pas plutôt Touchoui, ils sont ni l'un ni l'autre, les pandarènes de Pandarie. Ils sont, et au départ, il n'y a pas d'explication là-dessus, c'est vraiment juste, voilà, c'est un concept, Touchoui Yojin. Et ça rappelle aussi que Shen est neutre, donc il est ni Touchoui ni Yojin, parce que bah, il est neutre. Donc des fois il est un peu plus Touchoui, des fois il est un peu plus Yojin. Il explique littéralement dans sa définition que, bah, parfois il a envie d'être posé tranquille, donc il est Touchoui. Mais parfois, bah, il a envie d'aller à l'aventure, donc il est Yojin. Mais spoiler, les Touchoui, c'est aussi des aventuriers, en fait. Donc, il y a un problème de concept. Et le pire, c'est que plus loin dans le bouquin, Taranzu en parle à Vol'jin et explique et rappelle que, justement, c'est pas un truc de Pandarie, c'est bien un truc de l'île Vagabonde, mais qui récupère le concept. Mais du coup, bah, c'est trois types de pandarènes, du coup. Yojin, Touchoui et... Je m'en fous, je reste dans ma cambrousse en fait, qui s'appelle la Pandarie. Donc, c'est le plus gros bémol à mon sens, parce que c'est un point qui revient souvent dans le bouquin, sauf que c'est un concept qui est pas compris en fait, qui est mal compris, qui est mal récupéré. Et je soupçonne aussi le point gameplay, en mode, bah, si t'es Yojin, t'es un peu plus Horde, si t'es Touchoui, t'es un peu plus Alliance, du coup Shen il est neutre parce qu'il est ni l'un ni l'autre. Genre c'est... Je sais pas comment ils en sont venus à se rater, mais c'est un raté, et c'est dommage. C'est dommage. Mais du coup globalement le bouquin, et d'ailleurs Tiratan Kord qui commence dans le bouquin, parce que j'ai pas fini, mais commence dans le bouquin comme un personnage détestable à mon sens, parce que bah, il est c'est pas le personnage qui est détestable, c'est juste qu'il est archétype quoi, il est là pour être là, il est là pour la dose d'humain. Et à la fin du livre, franchement j'ai apprécié le personnage. Au départ je ne pouvais pas le voir parce que je voyais un personnage fonction et qui m'insupportait comme pas possible, et petit à petit il est devenu vraiment une personne, en fait. En lisant les lignes, on a vraiment été plus loin dans son développement. Son rapport avec les personnages, c'est moins artificiel. J'ai trouvé que ça allait, le développement était bon. Un personnage fonction qui a été forcé comme ça, avec tout le contexte que je viens de vous dire, franchement, à la fin, j'étais en mode, ok, bah, j'aime bien ce personnage. Donc, c'est cool. C'est cool aussi. Michael Stackpole a fait un énorme taf là-dessus. Alors, c'est un livre qui est sorti à l'époque de Mist of Pandaria, et du coup, donc 2013, il est sorti entre 2012 et 2013, quelque chose comme ça. Je crois que c'est 2013, parce qu'il est sorti pendant Mist of Pandaria, mais globalement, c'est un peu dommage, parce que Michael Stackpole, d'ailleurs à la fin du bouquin, ils disent que ça y est, c'est limite drôle, c'est on est en train de mettre Michael Stackpole à WoW, vous en faites pas, il va bien, c'est maintenant devenu un joueur de WoW, blablabla. Et Michael Stackpole n'a plus écrit de livre pour Blizzard par la suite, donc je sais pas ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu des dissensions, est-ce qu'il a trouvé que le jeu il était nul à chier, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu étrange, puisque c'était sa seule participation à l'univers de Blizzard. Donc voilà, c'est un livre que je vous conseille, honnêtement c'est un livre que je conseille, il est vraiment bon pour le coup. Donc je vous le conseille, pour moi c'est l'un des livres World of Warcraft les moins mauvais. Il y en a quelques-uns, je trouve, de toute façon les livres plus récents sont... Parce que là, on a les Ombres de l'Horde, ensuite chronologiquement il y a eu Crime de Guerre qui est une catastrophe pour moi. Et ensuite on a le livre Illidan que j'ai pas encore lu, et ensuite on a du coup... D'ailleurs le livre Illidan je pense que je vais pas l'apprécier, mais bon ça c'est... j'en sais rien, je pars avec des a priori. Ensuite on a donc Before the Storm qui est très très bon pour le coup, je trouve. Et Shadow Rising qui est bien... moyen bien, on va dire, moyen bien. Et Shadow... Mais c'est vrai que globalement, les derniers... En dehors de Crimes de Guerre, je trouve que les bouquins, ça va mieux quand même. Parce que mais ceux de... Alors BC, je les ai pas encore lus, mais ceux de Wotelka, c'est une catastrophe. Le Cataclysme, c'est, je trouve, aussi des... Ils sont très intéressants par rapport aux choses qu'ils précisent. Parce que en plus, celui de Wotelka, on peut l'aimer ou pas l'aimer. Bah, c'est juste du paraphrase de Warcraft 3, hein. C'est jouer à Warcraft 3 globalement, et les seuls trucs qu'ils rajoutent c'est de la merde, hein. C'est Ner'zhul, oh, en fait, pff, c'est bon. Et pour le coup, Cataclysme, les sujets sont intéressants, mais c'est très mal écrit, je trouve, très 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 mal écrit, et donc c'est insupportable. mais pour le coup, ils sont vraiment indispensables pour l'extension en plus, je trouve. Récemment ça va mieux quand même, même si bon, c'est toujours les points gameplay qui me saoulent. En attendant,
N'hésitez pas à les relire d'ailleurs. Faites attention à ce que je dis. Mais bon, je vais avancer, mais faites attention à ce que je vous dis. Moi, je vois ça en fait. Je vois ça dans le bouquin. Je ne vois que ça. Faites attention à ça. Prenez un peu de recul parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré. Moi, quand j'ai fait la vidéo sur le déferlement, je sais qu'il y en a qui étaient là. Ah, putain, moi j'avais bien aimé le livre. Tu l'as détruit et tout. Mais beaucoup ne font pas attention. Les petites références. Par exemple, bah, je sors du bouquin, je vérifie. Ah bah tiens, ce personnage il est en jeu. Oh bah comme par hasard. Et c'est même pas en mode le personnage, bah pour une fois justement, en jeu il fait pas grand chose et dans le livre il va faire des trucs. Non, c'est bah dans le jeu il vend des gâteaux et bah du coup dans le livre il vend un gâteau. Voilà. C'est ça. Et donc ça moi ça m'insupporte. Et quand c'est toutes les deux lignes, c'est insupportable. Vraiment insupportable. En tout cas, avançons sur du positif. La vidéo sur Mist of Pandaria arrive. Alors j'aurais aimé la boucler et la finir pour 2021, mais malheureusement... Et c'est vrai que ça nous demande beaucoup de travail, hein, Mist of Pandaria. Bon, on n'est pas que dessus aussi, mais ça nous occupe beaucoup, beaucoup de notre temps, comme vous pouvez le voir. Et c'est un petit peu le sujet débat d'ailleurs de la vidéo, puisque la vidéo sur Mist of Pandaria arrive, et pour préparer la vidéo sur Mist of Pandaria, il y a eu énormément d'annexes. Énormément. Donc là, la dernière vidéo annexe de Mist of Pandaria qui arrive, c'est celle sur Terramort, et ensuite on pourra attaquer Mist of Pandaria. Ça fait plus d'un an de travail, hein, Mist of Pandaria, donc j'espère que vous... Et vous nous avez tellement demandé quand est-ce qu'elle arrive, quand est-ce qu'elle sort. La seule fois sur la chaîne que j'ai connu un tel engouement pour une vidéo, c'était celle sur Legacy of the Void. Et quand je vois comment on m'a tanné pour Legacy of the Void et les vues que finalement Legacy of the Void a fait, je suis un petit peu déçu. J'espère que Mist of Pandaria, bah, ça vous plaira la vidéo, bien sûr. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé, je comprends, je suis même... C'est presque victime du succès de travailler à fond dedans et de devoir attendre, de devoir sortir des trucs pour un peu mieux dégraisser, on va dire, et pouvoir mieux préparer la vidéo. Donc beaucoup, beaucoup d'attentes, donc j'espère qu'elle correspondra à vos attentes. En attendant, donc Terramort puis Mist of Pandaria. Mais ma question débat, on va dire, c'est est-ce que je fais une playlist Mist of Pandaria? Vu le nombre de vidéos, ça me semble être tout à fait pertinent de faire une playlist Mist of Pandaria et faire dans l'ordre des vidéos qu'on a pu sortir, sachant que l'ordre est important aussi. Donc, est-ce que pour vous, ça vous semble pertinent? Moi, ce qui me fait juste peur, c'est que je commence à avoir beaucoup de playlists et je veux pas que ce soit déroutant pour des viewers, en fait. Donc, à vous de me dire, est-ce que vous trouvez que c'est bien, est-ce que vous trouvez que c'est pas bien? Franchement, je comprends tout à fait que vous me disiez non, fais pas de playlist Mr. Panda, la playlist Warcraft suffit, tout ça, tout ça. Parce que le problème, c'est qu'encore une fois, ça fait vraiment beaucoup de playlists. Hein. Si j'en fais une par extension, sans compter les castes, sans compter les guides, les trucs et tout, ça fait beaucoup, beaucoup de playlists et ensuite on se perd dans les playlists. Donc le but d'une playlist à la base, c'est d'être plutôt utilitaire. Donc vraiment, n'hésitez pas à me dire. Ça me semble quand même être intéressant, donc vraiment là-dessus, les deux me semblent ok. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Donc voilà, pour Mist of Pandaria, on est en train de boucler Mist of Pandaria. Je ferai pas de vidéo sur Crimes de Guerre d'ailleurs, pour la transition avec World of Draenor, mais 2022 annonce aussi, fermeture, on termine Mist of Pandaria et du coup on attaquera pour Warcraft World of Draenor. Mais World of Draenor, je vais faire un, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup sorti de vidéos sur Warcraft l'année dernière, cette année aussi bien sûr, mais je vais mettre un petit coup de frein quand même pour pouvoir sortir plus de vidéos Starcraft et Diablo. Et on va pas se mentir, World of Draenor, j'y vais, mais tranquillement, quoi. J'y vais tranquille, donc World of Draenor, disons qu'il va falloir y aller en apnée, donc je prends un peu d'air avant d'y aller. Mais sachez que par contre, pour toutes les extensions, etc., en plus de ça, bah, on refait l'extension. Moi, j'ai pas joué à World of Draenor à l'époque, hein, donc... je vais en profiter pour... on va refaire toutes les quêtes, etc. de World of Draenor. Donc ça, on fera ça en stream. Ça vous fera beaucoup rire, je pense, les streams World of Draenor. Mais... donc on fera ça en stream. Mais il y a des... Doucement avant, je ferai du Starcraft et du Diablo là-dessus. En tout cas, pour ce qui est de Shadowlands, bien sûr, il y a la 9.2 qui arrivera avec son lot de vidéos et autres. On a déjà fait le décryptage de la cinématique de Sylvanas. Mais la 9.2 devrait arriver dans quelques mois, donc évidemment il y aura le lot d'actualités vis-à-vis de Shadowlands. Et j'espère pouvoir sortir la vidéo avant la 9.2 concernant Kel'Thuzad et Ner'zhul. Oui, je l'ai promis, je ne l'ai pas oublié, elle est toujours prévue. Je voulais attendre de lire un petit peu le Grimoire de l'Ombre-Terre en français et en anglais pour avoir les infos concernant Kel'Thuzad. Il y a quelques lignes, mais des lignes importantes. Et moi, de mon côté, j'ai fini la campagne de Malraxxus, donc voilà, je suis au... on va dire
Et j'ai fait le Sanctum de Domination, donc je suis au top pour vous parler de Kel'Thuzad, on va dire. Je suis le plus à jour pour vous parler de Kel'Thuzad. Donc, elle arrive, je vous parlerai de Kel'Thuzad et de Ner'zhul. Cette vidéo, il y aura du tacle, mais pas tant de tacle que prévu. Hein. Vous avez bien Kel'Thuzad et Ner'zhul, il y aura du négatif et du positif. Donc, Mais Kel'Thuzad, ouais, je suis extrêmement déçu concernant le développement de Kel'Thuzad à Shadowlands. J'en profiterai pour faire un récap un petit peu de ce que je pense. J'avais fait ça pour la 9.0, j'avais fait ça pour la 9.1. On fera un petit peu on fera un récap justement avec la 9.1 de ce que je pense de Shadowlands pour le moment, même si bien sûr on fera un gros bilan de Shadowlands à la fin de l'extension. Donc, pour ce qui est aussi, parce que je viens de vous parler du grimoire de l'Ombre Terre, je crois que début février sort Explorons Azeroth, Kalimdor. Je sais plus, c'est Explorons Azeroth, les Kalimdor, je sais plus exactement ce que c'est, le livre. Mais du coup, je vous parlerai de l'Explorons Azeroth, les Royaumes de l'Est, Grimoire de l'Ombre Terre et Explorons Kalimdor. Je vous ferai une vidéo spécifique sur les trois sujets. Puisque c'est des livres justement de lore qui sortent en annexe un petit peu du jeu, et je vous conseillerai ou pas d'acheter les livres, et je vous dirai pourquoi je trouve que tel livre est plutôt efficace. D'ailleurs j'ai oublié les poèmes aussi, pas les poèmes, les contes et légendes. Contes et légendes d'Azeroth aussi, je ferai une vidéo sur les 4 récents ouvrages, on va dire, vis-à-vis de ces bouquins. Ensuite, c'est toujours prévu, ça fait longtemps, je sais, j'ai du retard sur celle-là, je le sais, mais je vous en parle parce que je le sais et que je prévois de la faire, j'ai même la miniature déjà, qui a été faite par Evanessor, merci à toi encore, Eva, si tu regardes, je vais du coup, bien entendu, sortir la vidéo sur les classes, la troisième partie, celle des classes que j'attends le plus dans Warcraft, mais là, enfin on y arrive, j'ai repotassé un peu le truc, on y est, je suis normalement un peu plus à jour, donc je vous préviens, elle arrive. Et par contre, un truc qui n'était pas forcément prévu, je compte faire une vidéo de rétrospective sur les races alliées. Vous allez me dire, ça n'a un peu rien à voir avec les classes, mais c'est l'occasion de faire un peu, voilà, parler, donc bien dans deux vidéos distinctes, hein, bien sûr. Une troisième partie sur les classes, avec les classes que j'attends dans World of Warcraft, et une du coup sur les races alliées, faire une rétrospective un petit peu de depuis quand les races alliées arrivent, l'ensemble des races alliées, ce que je pense des races alliées, et maintenant le point un petit peu d'actualité sur les races alliées et leur avenir. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je voulais faire parce que c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant. Ensuite, on va parler, donc voilà, fini pour Warcraft, on va parler de Warhammer. Warhammer très rapidement, oui, la vidéo sur Total War Warhammer, c'est vrai que j'avais été extrêmement motivé, chaud patate. J'avais sorti plein de vidéos Warhammer en l'espace d'une semaine. Et les vidéos sur lesquelles je bosse me prennent énormément de temps. Du coup, j'avais tout balancé d'un coup et du coup tout le monde m'a dit, et la partie 3 là, t'as fait le chaos, c'est cool, mais... Oh, les races du 3 maintenant! Alors, il y a eu les fêtes et tout, donc ça a été un peu la merde. Mais, j'ai prévu, du coup, j'ai décidé, parce que ça demande énormément de taf, j'ai décidé que le futur des races du 3, je le ferai en deux parties. Donc, vous allez me dire, mais attends, mais tu devais déjà le faire en deux parties, de chaos d'un côté. Finalement, c'est en trois parties pour le 3. Il y aura chaos d'un côté. Il y aura les races du 3 qui avaient déjà été annoncées. Et. Du coup, celle qui pourrait arriver dans Total War Warhammer 3, en gros. C'est ça que je prévois de faire. Donc ça sera les races du 3, rappel des mecs déjà existants et déjà annoncés, plus les futurs qui pourraient arriver avec des futures unités du futur contenu. Et du coup, une autre vraiment sur les races sur lesquelles on n'a aucune info et qui pourront sortir dans Total War Warhammer 3. Sachant que j'avais déjà bouclé 90-95% du boulot, il y a 2 mois. Donc vous allez me dire quoi? Mais j'avais pas fini et j'ai bien peu de temps à finir. Les fêtes et tout m'ont pas aidé. Et du coup, je suis deck parce qu'en fait, la vidéo. Pour vous dire à quel point j'avais déjà bouclé une bonne partie du truc, les ogres n'avaient pas encore été annoncés. Et j'avais déjà. Donc c'est horrible parce que ça sera que, croyez-moi ou pas. Mais j'avais fait ça avec deux viewers, Gilgak et Jergal, hein, qui m'avaient un petit peu donné de leurs avis sur ce que j'avais prévu de faire et autres. Et ils m'avaient dit, tiens, t'as peut-être oublié aussi ce truc-là qui peut être intéressant. Et du coup, et Celtigon aussi d'ailleurs pour qu'ils se lèvent. Et du coup, ils pourront témoigner que ce que j'avais annoncé, c'est bien arrivé. Donc les ogres,
J'avais annoncé les Grécius d'Andorre et j'ai oublié Skarg, là, le boucher. J'avais annoncé que c'était deux là dans le roster de base des ogres qui devraient sortir, et c'est sorti. Donc bon, vous allez me dire, ouais, bah, c'est facile de le dire a posteriori, mais je l'avais fait avant. Du coup, ça arrive dans les deux vidéos de Warhammer. Pense pas qu'il y aura d'autres vidéos Warhammer dans l'année, mais sait-on jamais, si, à part celle Warhammer 40 000 que j'ai promis. Mais sinon, en dehors de ça, je sais pas s'il y en aura d'autres, donc on verra. Je vous promets rien là-dessus, peut-être, peut-être pas. Il y a celle de Warhammer 40 000, je compte faire une vidéo un peu une heure justement où je présente l'univers de Warhammer 40 000, ça c'était promis. Maintenant, on va parler de StarCraft. StarCraft avec ce bouquin, j'ai déjà commencé à en parler, je n'arrivais pas tellement, je suis emballé par ce bouquin, j'avais déjà commencé à en parler, donc je suis en train de relire StarCraft Evolution et bordel. Ah, qu'est-ce qu'il est bien ce bouquin, mais qu'est-ce qu'il est bien! Un vrai bouquin, des vrais personnages qui ne savent pas forcément que tel truc existe, que blablabla, ils savent pas forcément comment fonctionne l'autre race. Ah, des vrais personnages, des vraies relations, des vraies discussions. Ah, même la localisation, elle est meilleure. Il y a un moment donné, il y a un jeu de mots, il y a un des personnages que j'adore dans le bouquin qui s'appelle Diz, qui est un faucheur. Et à un moment donné, ils lui disent, mais pourquoi tu t'appelles Diz? Est-ce que c'est le diminutif de Dizzy, qui veut dire vertige, puisque c'est un faucheur potentiellement, et c'était dit, bah, c'est peut-être un diminutif de vertige, Dizzy, et le mec lui répond, non, c'est un diminutif de disaster, c'est pour ça que je m'appelle Diz. Et au lieu de niquer la blague en essayant de traduire tout ça, ils ont laissé Dizzy disaster, et ils ont expliqué en bas qu'en fait, bah voilà, Dizzy, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, c'est vertige, et disaster, bah c'est désastre. Et du coup, on comprend la blague, et... Même ça, putain, je suis en mode, mais merde, pourquoi ils le font pas dans les bouquins, wow, putain. Du coup, mais pour tout, genre vraiment, c'est un vrai livre en fait. Avoir des vraies discussions, des vrais personnages, des vrais enjeux, des... Ah, mon Dieu. Et Timothy Zahn, c'est également un grand rédacteur de Star Wars. C'est lui qui a fait la saga du Jedi Fu, qui a fait beaucoup d'ailleurs de mauvais fanservice dans le... dedans, mais qui est l'un des créateurs de Thrawn, l'un des personnages préférés de Star Wars par les fans. Et du coup, Timothy Zahn, c'est pas un débutant, et honnêtement, il fait un super boulot. StarCraft Evolution, honnêtement, c'est le bouquin de StarCraft que je préfère avec la trilogie du Templier Noir. C'est vraiment deux... mais ce bouquin, je le trouve génial, quoi. StarCraft Evolution, il est génial, et j'espère que les personnages du bouquin seront réutilisés plus tard, parce que c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, pour ce qui est de StarCraft, c'est la passion qui parle, pour ce qui est de StarCraft, je compte faire les missions Nova en stream, les jouer, et vous faire une vidéo... histoire sur les missions Nova non, c'est pas les Fils de l'Homme, mais c'est l'organisation, j'ai oublié le nom, c'est un truc, les Fils de l'Homme, c'est le film qui me perturbe, mais du coup sur justement d'ailleurs c'est l'événement de la guerre de un jour je crois, ou la guerre de une semaine, c'est un truc comme ça, justement faire une vidéo sur les missions Nova, en gros une lore les missions Nova, et du coup une vidéo StarCraft Evolution. Vu que moi-même j'étais un peu perdu dans la chronologie de StarCraft, je savais plus si c'était StarCraft Evolution se passait avant l'émission Nova ou l'émission Nova avant Evolution, j'avais un petit doute. Je me suis tapé, et le wiki de StarCraft là-dessus a fait un énorme travail pour faire une chronologie très intéressante et très pertinente de StarCraft. Et je me suis dit, bah, ce serait intéressant aussi de faire une vidéo, comme j'avais fait une vidéo de chronologie Warcraft, ou plutôt Eva avait fait du chronologie Warcraft, et moi j'avais été le présentateur, pour StarCraft vraiment faire une vidéo chronologie. Avec les événements, etc., les années qui se sont passées et autres, parce que c'est vraiment... pour le coup, StarCraft et Diablo ont vraiment fait un vrai travail de chronologie, contrairement à Warcraft, où ça a été un peu... ça a pas mal changé avec les années, ensuite, c'est là, mais sans être vraiment une barre chronologique. StarCraft et Diablo se sont pas cachés, ont vraiment fait des frises chronologiques, donc je me suis dit, et n'hésitez pas à me le dire, mais je pense que ça serait intéressant de faire une chronologie StarCraft. Et ensuite, parler, eh bien, de ça... tout simplement. Alors malheureusement, elles n'existent pas en français. En français, vous les avez, mais elles sont séparées. Une version écrite avec toutes les BD de StarCraft, qui était arrivée avec le Trésor de Guerre, super contenu d'ailleurs, le Trésor de Guerre, pour avoir du nouveau contenu de skin, etc. sur StarCraft 2 et financer l'e-sport. Ça, je trouvais ça, le concept est génial. Et du coup, Shadow Wars, j'ai acheté la BD, elle était en promo pour Noël, pour les fêtes. Je me le suis acheté pour pouvoir vous faire une vidéo justement sur les Shadow Wars, donc qui est d'un point de vue historique, qui est en fait le plus récent. Là, je vous ai fait ça chronologiquement parlant, Nova, Evolution, puis Shadow Wars. Donc, qui normalement, en fait, sert un peu de transition vers le futur de la licence StarCraft. Est-ce que c'est StarCraft 3, est-ce que c'est autre chose, ça j'en sais rien. Mais c'est clair que ça ouvre des pistes vers le futur de StarCraft, et bah, c'est plutôt intéressant. Donc,
On fera des vidéos là-dessus. Ça. Il y a au moins 3 vidéos voilà, sur le sujet, peut-être même plus la chronologie, donc ça fait au moins 4. Donc voilà, pour ce qui arrive dans l'année. Concernant Diablo, alors on le sait déjà, mais Diablo 4 ne sortira pas en 2022, donc bah, on n'aura pas de nouvelles vidéos d'actu. Enfin, bien sûr, je ferai des vidéos d'actu si on a des grosses nouvelles concernant Diablo 4, mais pour le moment, ça sera assez tranquille vis-à-vis de Diablo 4. Mais pour ce qui est de Diablo 2, j'avais promis et je compte toujours faire l'analyse des cinématiques de Diablo 2 Resurrected. Là-dessus, je suis un mauvais YouTuber parce que si je l'avais fait direct, ça aurait fait des vues, tout ça. Mais j'avais d'autres choses à faire, donc je l'ai pas fait et je veux finir Diablo 2 avant d'analyser les cinématiques. Donc je ferai ça bien plus tard, donc ça fera bien moins de vues. Mais c'est pas grave, les cinématiques sont très très belles pour le moment, celles que j'ai pu voir sont vraiment excellentes. Donc faire une petite analyse des cinématiques. Parce que je vais pas refaire des vidéos sur Diablo 2, mais du coup en profiter pour faire des petites vidéos sur les cinématiques et faire des rappels techniques par rapport à ce qu'il y a pu avoir avant et maintenant. Et un peu plus analyser ce qu'on voit à l'image. Donc ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs il faudra que je mette les vidéos, j'avais promis de mettre celle de War 3 Reforged avec les doublages d'époque et avec le remaster de Reforged. Donc ça je les mettrai sans rien, sans analyse que dalle, juste les mettre parce que elles ne sont pas disponibles. Parce que c'est grâce au mod Warcraft 3 que vous pouvez trouver sur le site, hein, malganir.fr. Merci d'ailleurs Guito pour le mod. Bah du coup on a les cinématiques Reforged avec le doublage d'époque. Donc ça c'est une exclusivité, et du coup c'est vrai que je me suis dit il faudrait que je vous le mette sur YouTube. Donc je n'ai pas oublié. Pour ce qui est de Diablo, y aura aussi toujours deux vidéos de prévues concernant Diablo. C'est la vidéo sur les barbares et Sonia, donc Sonia et les barbares, et la vidéo, ça aussi je me suis dit que c'était important parce que c'est toujours un concept qui est pas très bien compris je trouve, c'est les Néphalèmes. Donc faire une vidéo sur Lilith et les Néphalèmes, parce que Lilith c'est l'antagoniste principal et teasé par Diablo 4, et en plus de ça c'est un petit peu la créatrice des Néphalèmes, hein. C'est la mère de l'humanité, c'est justement la mère des Néphalèmes. Donc faire un petit rappel, en profiter pour faire un rappel des Néphalèmes, ce que sont les Néphalèmes, qui est un Néphalème ou qui n'est pas un Néphalème, ce qui est le concept d'un Néphalème, et Lilith, rappeler un petit peu qui est Lilith. Donc voilà, ça c'est pour Diablo un petit peu ce qui est prévu. Alors quand je dis ça, c'est les vidéos prévues, hein. Il y a peut-être des vidéos que je vais faire, il y a un truc, il y a un sujet que je vois, ça m'interpelle, je me dis ah tiens il y a un truc à faire, là je vous fais celles qui sont prévues bien sûr. Il y en aura peut-être d'autres. On revient sur du Warcraft avec classique, évidemment, il y aura Baboulinork hein, qui va décrypter ce qui se passe au Temple Noir. On continue l'actu avec Burning Crusade. D'ailleurs, c'est des vidéos qui marchent pas tant que ça alors qu'elles sont courtes. On me dit toujours, ouais, tes vidéos sont trop longues, celles-là sont courtes. Et en plus, je mets de l'humour. Du coup, c'est vrai que elle marche pas tant que ça, alors je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que tout le monde s'en fout? Est-ce que c'est parce que vous vous attendez à autre chose? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai mal parlé de ces vidéos? Je ne sais pas. Mais n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, je continuerai quand même parce que je sais que ceux qui la regardent, en tout cas, adorent. Donc, et moi-même, j'avoue, je me tape des barres. Même si sur celle-là, j'aurais pas grand-chose à dire en vrai. Parce que c'est tellement inintéressant qu'il n'y a pas grand-chose. Mais du coup, je parlerai du Temple Noir Baboulinork. D'ailleurs, je ferai peut-être un petit changement parce que la cinématique de l'époque. Limite faire un décryptage de la cinématique d'époque avec Baboulinork. Parce que sinon il n'y a pas grand chose à dire en vrai. Il y a le Temple Noir, il y a Illidan et voilà. Donc voilà, il y a Baboulinork qui reviendra pour le Temple Noir. Hâte qu'il revienne pour Zulaman, alors là on va rigoler aussi. Mais donc voilà, il y aura le Temple Noir, il y aura la vidéo de décryptage de Baboulinork pour le Temple Noir. J'allais dire pour le Tableau Noir, c'est le Tableau Noir l'or là, Baboulinork. Et ensuite, du coup, on y est. Vous vouliez mon avis concernant le leak des îles aux dragons. Vous l'attendiez, vous étiez là. Malga, t'en penses quoi du leak sur les îles aux dragons? Alors maintenant, on en parle moins parce que y a eu le rachat par Microsoft, mais c'était le sujet qui enflammait les internets avec plein de personnes qui venaient sur mes lives et tout. Ah, t'as vu le truc, le leak sur les îles aux dragons? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu, le leak sur les îles aux dragons. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, les îles aux dragons, on en a déjà parlé. Vidéo sur Chronicle. À la fin de Chronicle, j'explique justement qu'un des problèmes de Chronicle, c'est que vu que c'est un format papier, si jamais il y a des suites à l'histoire de Warcraft, eh bien il y a des sujets qu'on n'aura pas dans Chronicles. Et c'est normal. Donc dans ma vidéo sur Chronicle, j'avais déjà parlé de futurs contenus qui pourraient arriver dans Warcraft.
et qui ne seraient pas dans Chronicles. Par exemple, les îlots dragons. J'avais évoqué les îlots dragons, j'avais évoqué les Uldaz, etc., les Uldorus, ou je sais plus quoi, les autres complexes titaniques. Donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo sur Chronique. Je sais que comme il y a marqué vidéo Chronicle, tout le monde s'en fout. Mais je vous invite vraiment à la voir, parce que bah, c'est un sujet qui est assez intéressant en plus. Et si je dis pas ça en mode ma vidéo est intéressante, c'est le sujet est intéressant. Après, est-ce que vous trouvez que ce que j'ai dit est intéressant ou pas, ça c'est à vous de juger, c'est pas à moi. Mais on avait parlé des îlots dragons à ce moment-là déjà. On avait commencé à parler des îlots dragons parce que c'est un sujet qui a été tease. Je rappelle que les îlots dragons, c'est quoi à la base? C'est du contenu qui devait sortir dès Vanilla, mais finalement, bah, il y a eu des retards, etc. Et du coup, comme tout projet, bah, il faut faire des concessions, donc ça, c'est enlevé. Je rappelle d'ailleurs que Karazhan devait sortir à Vanilla, finalement, Karazhan a été rajouté à Burning Crusade. C'est d'ailleurs pour ça que Babouliner qui avait beaucoup rigolé sur Karazhan, et j'en avais reparlé dans la vidéo sur Karazhan, parce que même si c'est de l'humour, j'essaye de mettre des petites anecdotes dedans quand même. Et les îlots dragons, ça devait sortir à Vanilla. Finalement avorté, mais on a toujours des cartes de l'époque qui nous montrent les îlots dragons, l'archipel des îlots dragons qui se trouve en fait entre Lordaeron et Kel'Thalas, donc dans la tout ce qui est tout simplement la baie de Stratholme en fait, hein, tout ce qui est la baie de Stratholme, la mer, donc quelque chose qui est assez lié aux humains et aux elfes. Mais en plus de ça, bah, y a les trolls, il y a une présence troll à Mani normalement, etc. Donc c'est un sujet qui peut développer beaucoup, enfin c'est un endroit qui peut développer beaucoup de sujets en tout cas. Et notamment bien sûr les dragons, avec ce fameux endroit qui réunit tous les dragons dans la guerre des anciens, dans le livre de la guerre des anciens, où tous les vols se réunissent dans des montagnes gigantesques, où tous les dragons peuvent être tout petits à côté des montagnes. En chose qui avait été finalement raccordée au repos du verre à Wotelka, un truc tout petit où les dragons bah ils peuvent pas rentrer, et qui avait dit ouais c'est cet endroit en fait dans la guerre des anciens, spoiler pas du tout, sachant que justement le repos du verre tout ça c'est censé plutôt être affilié au dragon bleu vu que le Northrend c'est vraiment l'endroit des dragons bleus, donc c'était un peu con d'ailleurs à Wotelka, même ça il l'avait pas très bien respecté. Donc justement, si jamais un jour il y a les îlots dragons et qu'ils viennent et qu'ils redisent « Bah voilà, c'est l'endroit, ça, enfin, c'est cet endroit-là qu'il y avait dans la guerre des anciens », là on serait en mode « Bah oui, merci ». Alors certains gueuleraient en mode « Ah, il retconne Wotelka !» Alors qu'en fait c'est Wotelka qui avait fait un peu n'importe quoi, comme souvent d'ailleurs. Mais les îlots dragons, bah justement, ça pourrait être l'occasion de vraiment développer un grand endroit avec plein de personnages. Ce serait pas que, parce que je sais qu'il y en a qui disent « Ah, les dragons, c'est chiant et tout, les dragons, tout ça, c'est chiant ». Donc là, je fais le récap un peu de ce que c'est, hein, bien sûr. Mais les îlots dragons, bah, c'est pas que des dragons. Parce que vous allez me dire, ouais, dragon, on a déjà fait Cataclysme, c'est chiant. En vrai, les dragons, ils sont présents. J'en avais parlé, il y avait un viewer qui m'avait interpellé comme ça sur Twitch, et je lui avais dit, bah en fait, regarde, si tu fais le récap, les dragons, ils ont jamais été absents, en fait, d'une extension. Vanilla, bon, c'est pas une extension, mais Vanilla, ils sont là, hein, et même Onyxia, Nefarian, tout ça, qui sont des grands enjeux, en tout cas pour les humains, par exemple. Vous avez du coup à Burning Crusade les dragons noirs et les dragons du néant, les dragons du vide, qui sont les anciens dragons noirs, corrompus, tout ça. Qui va amener d'ailleurs le livre sur la nuit du dragon avec les dragons du vide, notamment un dragon du vide et l'arrivée des dragons, dragons du néant et dragons du crépuscule. On a à Burning Crusade, les dragons sont présents, et puis c'était le vol en plus, c'était le fly, donc c'était la monture à récupérer à Burning Crusade. Wrath of the Lich King, bah, on a le retour de Maligos, les aspects, le repos du verre, tout ça. Super retour de Maligos, vidéo sur Wotelka. Ensuite, Cataclysme, bon ça c'est l'extension des dragons par excellence, avec Deathwing en antagoniste, le retour d'Izera, Alexstrasza, tout ça, donc ça c'est vraiment l'extension sur les dragons. Ensuite, on pourrait se dire, bon bah avec Mist of Pandaria, il n'y a pas de dragon. Bah, en fait, Mist of Pandaria, l'enjeu de Mist of Pandaria, l'un des grands enjeux et l'un des grands liants, je dirais, sur tout le contenu, c'est Irion. Irion qui est le fils de Deathwing et qui est un dragon noir. Et alors, même si c'est pas des vrais dragons, il y avait tout ce qui est serpent nuage, justement, c'était pour nous. On développe ça pour nous dire que c'est pas des dragons. Mais tu avais aussi, du coup, l'île du temps figé avec l'arrivée des dragons de bronze qui essayent d'enquêter, notamment Kairos Dormu qui essaye d'enquêter un petit peu sur les phénomènes liés au temps via cette île. Et donc, surtout Irion, quand même, hein. Irion qui est très présent à Mist of Pandaria. Le vol noir, enfin, les envoyés du vol noir, ou je sais plus quoi. Les envoyés du prince noir, tout ça. Et au final, Kairos Dormu, qui fera son grand. Il aura son heure de gloire dans le livre Crime de guerre. Chromie est d'ailleurs présente aussi, hein, Chronormu est présente aussi dans le livre, avec le procès de Garrosh, et Kairos Dormu qui est une petite pupute qui trahit tout le monde.
et qui va du coup être l'ouverture de la Porte des Ténèbres et surtout l'ouverture de World of Draenor. Hein, World of Draenor, on se dit bah il y a pas de dragon dedans, mais en fait c'est des dragons qui ont permis la sortie de World of Draenor. Et d'ailleurs, on rappelle que Irion a un rôle à jouer. Hein, en fait, tout World of Draenor est à cause d'Irion, en fait. Hein. C'est, ça, j'en ai parlé dans les vidéos sur Battle for Azeroth, quand Irion fait les retrouvailles avec Anduin, Anduin lui met une grande tarte, enfin lui met un grand point dans sa gueule, et c'était mérité, hein, parce que World of Draenor, c'est aussi, c'est à cause de d'Irion. Et du coup, vu qu'à la fin de World of Draenor, bah, y a Gul'dan qui revient, etc., Légion, c'est à cause d'Irion aussi. Je rappelle qu'Irion, bah, c'est le mec qui a fait en sorte que World of Draenor se passe pour que, en gros, soit l'Alliance et la Horde se renforcent, puissent être de taille pour affronter la Légion Ardente, soit c'est la Horde de Fer qui détruit tout le monde et du coup sera en mesure de contrer la Légion Ardente. Et ça, c'est le plan d'Irion. Donc à Légion, on a les dragons, on a le retour des dragons avec notamment, alors on fait un petit passage avec les quêtes du DK vers le Vol Rouge et l'Extraza. On a du coup les Worms des Glaces, bien sûr, avec donc les anciens dragons bleus, etc., avec les Deka. On a surtout l'arc avec Corne d'Ébène, hein, Ebissian, le dragon noir au roc, et tout ce qui est lié à Deathwing avec les cavernes de Deathwing, etc., qui sont des points de la guerre des anciens, d'ailleurs. Le vol bleu à Suna, etc., etc. Donc les dragons reviennent bien, mine de rien. Puis on parle de Kalégos aussi, avec son rôle à Dalaran dans la campagne du mage, etc. Et du coup, à BFA, bah, tout le retour d'Irion, bien sûr, comme je l'ai évoqué. Et on a tous les aspects qui donnent un peu de leur puissance pour le cœur d'Azeroth, pour contrer au final Nuzzat. Donc, en fait, il n'y a pas une seule extension qui ne... Et pour ce qui est de Shadowlands, il y a Ysera qui est énormément mise en avant. Donc, les dragons sont-ils absents? Ont-ils été absents une seule fois d'une extension? Et ben, en fait, la réponse est non. C'est juste que parfois, ils sont très présents, parfois, ils sont juste présents ou bien présents, mais ils ont toujours été présents, en fait. Et du coup, une extension sur les îles aux dragons en mode « Ah, pff, ça serait un bis de cataclysme », pas forcément. On a, bien sûr, les dragons, mais c'est un endroit géographiquement qui est entre le Northrend, qui est entre Lordaeron et Kel'Thalas, donc une présence elfe pour développer les elfes, une présence humaine pour développer les humains, en sachant qu'on sait que les humains ont eu des liens avec les dragons aussi, notamment Alterac, avec les Prestors. On a plein de choses, on a vraiment plein de choses sur les îles aux dragons. Et puis ça peut avoir plein d'aspects, hein, les îles aux dragons, ça peut être des îles célestes, ça peut être plein de trucs, donc il y a vraiment quelque chose à faire. Je vous invite très fortement à lire, à regarder la vidéo d'Evanessor, mon comparse, qui m'aide à préparer plein de vidéos sur les îles aux dragons, de vidéos sur Warcraft, qui a fait justement, qui a sa propre chaîne YouTube et qui a fait une vidéo sur les îles aux dragons. Et justement, bah ça, c'est un des plans des îles aux dragons, un des concepts des îles aux dragons. Donc, vous voyez aussi le côté dieu très ancien avec cette espèce de Sogodon, j'ai oublié le sans visage un peu escargot là de Vanilla. Il y avait cette idée-là, justement, aux îles aux dragons, avec une présence des dieux très anciens aussi. Donc, il pourrait y avoir un complexe titanique aux îles aux dragons. Enfin, il pourrait faire plein de choses vis-à-vis des îles aux dragons. Et du coup, bah, je vous laisse avec Evanessor, qui a fait toute une vidéo sur les îles aux dragons, vraiment très très complète. Moi, je vous rappelais juste le contexte un petit peu des dragons et de pourquoi bah, les îles aux dragons, c'est un contenu qui est anticipable depuis des années. Hein. BFA avait été la première extension à teaser vraiment les îles aux dragons. Et officialiser les îles aux dragons, mais les îles aux dragons existent depuis très 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 longtemps. Donc je vous laisse avec la vidéo d'Evanessor pour ça. Et donc qu'est-ce que je pense du leak? Alors le sujet, comme je viens de vous le dire, il est totalement sérieux. Hein. Les îles aux dragons, c'est clairement l'un des paris qu'on peut faire sur la prochaine extension dans World of Warcraft. Maintenant, le leak en lui-même, c'est de la grosse connerie en fait. Enfin genre, attention à pas vous faire avoir. Le concept des îles aux dragons, bien sûr, c'est un concept qui d'ailleurs fait fantasmer la plupart de la communauté et plein de gens disent « Ah bah il y a eu ça vis-à-vis des îles aux dragons ». Les îles aux dragons sont officialisées d'ailleurs dans le livre Explorons Kalimdor. Donc oui, les îles aux dragons, ça devient béton, hein, ça devient vraiment un concept béton, mais le leak en lui-même, c'est de la grosse connerie, c'est de la grosse merde. Vous pourrez jouer un dragon noir ou machin, je sais pas quoi. N'importe quoi, ça, n'importe quoi. Et je comprends pas qu'on tombe dans le panneau. Hein. Et d'ailleurs, Lérez a fait un très bon article sur Millennium pour débunker ce leak, mais c'est n'importe quoi. Le leak, c'est... Pour ça, là-bas, j'ai pas prévu de faire une vidéo, parce que j'étais en mode, mais comment vous pouvez croire à ça, quoi? C'est pas possible, c'est... Machin, devenir un dragon noir, je sais pas, le truc... C'est tous les souhaits Reddit qui sont mis dans un soi-disant leak, avec, bien sûr, toujours des logos dégueulasses, etc., pour faire croire que c'est ça, et...
Il y a des gens qui tombent, je comprends même pas comment des gens tombent dans le panneau en fait. Alors, ça me rappelle les leaks de Shadowlands, vous savez, à la fin de BFA, avec les fameux leaks de Shadowlands, en mode, on les attend toujours, hein, les bateaux au port de Stormwind, etc. Hein. Moi, je les attends toujours. Hein. Les vricules qui envahissent Stormwind et autres, avec Nathanos qui tue Anduin ou je sais pas quoi, là. Les... pareil, Mal'Ganis à l'épée, moi, je l'attends toujours. Hein. Mal'Ganis à l'épée, avec Nathanos qu'on affronterait au niveau de l'épée, etc. N'importe quoi. Pour ça, soyez avec ces soi-disant leaks, soyez toujours, prenez du recul, ne vous faites pas avoir, regardez un petit peu ce qui se dit, essayez de vous renseigner un petit peu sur le sujet. Souvent, c'est des mecs qui sont fans et qui, soit pour leur propre délire, s'inventent un concept et ils tombent dans les mains de gens moins bien intentionnés, soit c'est des mecs mal intentionnés qui essayent de jouer sur les rêves de la communauté pour essayer de pondre un truc soi-disant réaliste, alors que pas du tout, donc... vraiment faites attention à ce niveau là et là non, clairement c'est possible que la prochaine extension soit les îles aux dragons, mais ce leak c'est de la grosse connerie quoi. C'est quand même de la grosse connerie. Voilà, ça fait un petit peu longtemps, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a beaucoup de travail pour 2022 du coup. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, vous avez appris des choses et en même temps que vous êtes content vis-à-vis du programme d'annoncer pour 2022, sachant qu'il y aura d'autres choses hein. Là c'est ce que je prévois. C'est pas encore, il y aura d'autres choses bien sûr. Et du coup, n'hésitez pas encore une fois à réagir par rapport à certains points que je vous ai demandé, notamment les playlists Mister Panda et autres. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus. Salut, c'est Baboulinork. Elle est pas belle la petite musique de Mister Panda là derrière? Moi je l'aime bien moi. Enfin bon, là comme vous voyez, il y a ma monture, le cheval, qui vous dit que vous pouvez liker la vidéo, la partager à vos amis. Suivre Twitter, Facebook. Vous pouvez également suivre la chaîne Twitch. Voilà. Bisous. Bisous baveux orc. Au revoir.